Hello, bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Nose. Un haul Nose, big haul Nose et beaucoup de studio light. Vous allez voir. En beauté. Et ça c'est du 27 octobre 2020. En beauté de la marque Bourjois Paris. Un CC Eye Cream. Il m'a coûté 85 centimes je crois. 123 Perfect, illumination et hydratation 24 heures, correction couleur et j'ai pris la couleur ivoire. On va regarder ensemble si ça s'ouvre. Ok, ça c'est pour moi, ivoire. Alors, attendez, je vais bien garder ça parce que je saurais qu'est-ce que c'est comme couleur. Je vais mettre ça, je sais pas où, là-dessus. Avec le bouchon, voilà. Je sache la couleur. Voilà. Alors, attendez, comment ça marche? Je n'en sais rien. Ah oui, d'accord. Ok. Peut-être le secouer. J'en sais rien. Ça. Bon, ah ça y est, ça vient. Ouais, bah, je pense que c'est une couleur qui va m'aller. Hein. Regardez, ça va aller, je pense. Moi, je suis très claire, alors une couleur comme ça, je pense que ça peut être pas mal. On va voir que j'essaye 2 secondes. Ouais, ça se fond. Très bien. Donc, attendez, il faut que je nettoie ça. Hop, on va nettoyer le tuyau. Parce que c'est dégueulasse. Voilà. On va remettre ça là-dedans. Voilà. Donc voilà, à 85 centimes. Là, il n'y a pas le prix, mais voilà. 85 centimes, très bien. Couleur ivoire. Je pense que c'est à peu près ma couleur, donc ça va. On est bon. Donc ça, 85 centimes en beauté, c'est tout. Après, c'est vraiment du loisir créatif. De la marque, je sais pas trop quoi, à 3 euros, moins 60%. Donc ça me l'a fait à moins d'1,20€, je crois. Ouais, bon, il est sale, mais après... Un cutter, comme ça. Voilà. J'ai dit pour mes couvertures d'album. Voilà, un cutter comme ça, je sais pas pourquoi il y a ça, je sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Bon bref, cutter plus lame x 2, ah oui il y a des lames dedans, d'accord, ok. Je sais pas où c'est que c'est, mais il y a des lames. Ok, je crois que c'est ça. Donc voilà, un petit cutter qui va rester ici. Ouais, il est un peu lourd, on va le mettre comme ça. Voilà. Pour ce qui est loisirs créatifs aussi, à 95 centimes, j'en ai repris du adhésif double face du 10 mètres blanc comme ça. Voilà. 95 centimes. Alors attendez que j'essaye de vous faire voir le prix. Voilà, on voit dedans. Donc ça, ok. Ok, ok, ok. Ensuite, à 99 centimes, du ruban qui fait 3,8. C'est ça, 3,8, c'est ça, 3,8 sur 23 centimètres, un bleu comme ça. J'ai bien aimé la couleur du ruban. Vous savez, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais bon, j'ai craqué quand même. Un 25 yards, donc 25 mètres, du 25 mm, un gris comme ça, pailleté. Voilà. Attendez que j'essaie de vous faire voir si je peux. Si je peux. Des fois. Voilà. Je vais vous faire voir un exemple. Voyez. Hop. Voilà, un gris comme ça, un peu. Tout ce que j'aime. Bon, un peu abîmé, mais c'est pas grave.
Après, pour le coller, par contre, ça, je vais galérer. Mais bon, je le trouvais joli même pour les fêtes, pour autre chose. Et on va le mettre pour les fêtes pour l'instant. Et un violet comme ça, que j'ai trouvé trop mignon. C'était pareil, je pense qu'il y avait beaucoup, 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 vous voyez. Hop, 99 centimes aussi. Et un violet comme ça, voilà, par exemple comme ça, j'aime bien. Comme ça, on verra ça après. Ensuite, de l'oisir Zika à 2 euros moins 60%, donc ça me l'a fait à 60 centimes. Des petits pompons comme ça, toutes les couleurs, j'aimais bien. Voilà, des petits pompons, ne me demandez pas, j'aime des petits pompons, ben, j'aime des petits pompons. Je vais les mettre avec les autres copains. Les autres copains, oui, bon, vous m'avez compris. Et maintenant, c'est que... Ah non, attendez, j'ai encore un truc de l'oisir Zika à 60 centimes. Des anneaux de porte-clés, et là j'ai pris des anneaux de porte-clés. Il y a juste l'anneau en fait, hein, c'est ça. Loisir Xika, Creative Xika, porte-clés 8x8. Voilà, des anneaux comme ça en forme de cœur x8. Voilà, je trouve ça mignon. Voilà. Voilà pour ça. Après, du Studio Light. Alors, des tampons. Un bouquin qui n'a rien à voir avec Studio Light et du Studio Light. Alors, en tampon clear, celui-ci. Voilà, il fait. C'est Studio Light Essential Clear Stamp. Il est marqué Let It Snow, Let It Snow. Il fait, ouais, il doit faire 10-3 sur 6. Voilà, 1,99. Donc celui-ci, il était à 1,99. De la marque Studio Light. Donc il y a celui-ci et il y a celui-là que j'ai trouvé. Lui il fait 10, ouais, à peu près 10. Et lui aussi, on va dire un peu moins, mais voilà. J'ai trouvé mignon. Voilà. Celui-ci à 1,99. Toujours de la marque et, Studio Light Essentiel. C'est les rouges là. Ouais, ce que ça donne. Voilà. Des mots en anglais, mais là c'est des mots pour Merry Christmas. Donc ça je vais les mettre là et puis pour l'hiver. Holy fun. Alors, Merry Christmas and bright days, warm wish, winter moment, fun snowy, lovely. Voilà. En anglais, voilà, 1,99. Toujours essentiel et toujours x3. Donc ça, ça va avec. Ouais, pour que je le sache. Non, il faut que je range après. Alors, essentiel toujours. Ouais, ça fait à peu près 8,5, ouais, on va dire, sur 12 avec le truc. Ouais, Merry Christmas. Celui-ci. Alors, il y a marqué It's the most wonderful time of the year. Et Merry Christmas. Voilà. Celui-ci. Et c'était 1,99. Tous les tampons étaient 1,99, je ne vais pas le redire. De la collection Signature Collection. Rainbow Design Stamp. Donc il y a marqué tout un texte en anglais. Mais j'ai trouvé le texte assez joli. Et puis j'ai trouvé ça mignon. Voilà. 1,99. Voilà, de cette collection, j'aurais bien voulu avoir le premier et le dernier. Je vous fais voir. Voilà. Le premier et le dernier. Donc 1,99. De la marque Studio Light toujours. Fantasy Collection, le stamp. Et là, c'est Fantasy Collection. Donc, j'ai trouvé les deux. Alors, ça, je suis très contente. Donc, j'aime bien. Regardez-moi ça, comment c'est mignon. Alors, je vais vous faire voir la collection. Ça sera peut-être plus facile pour vous. Donc, ça, c'est 1,99, la grande planche. Pareil. Le petit lapin, elle est trop chou. Même les petites maisons, je trouve. C'est trop mignon. C'est très fantasy, mais j'aime bien aussi cet univers. Et pareil, donc du coup, j'ai les deux, du coup, deux du bas, là, je les ai trouvés. Donc celui-là, c'est Fantasy Collection, pareil, 1,99. Et là, c'est, voilà, un effet de mur, un effet de truc un peu fantasy, quoi. Voilà, là, vous voyez mieux. Ensuite, de Essential Collection, pareil, en rouge, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est des tampons... stamp, je sais pas, bon, vous allez voir derrière de toute façon. Voilà, alors cette collection là j'ai trouvé l'oiseau et le
et le rouge. J'aurais bien voulu retrouver les autres, mais bon, je les ai pas trouvés. Surtout celui-là. Celui-là, il est trop beau. Voilà. Il ne mourrait plus. Alors, 1,99€, donc celui-ci. Voilà. Donc, c'est en mousse. Hein. Voilà, je vous fais voir un peu la colorisation qu'ils font. Et celui-ci, du coup, l'oiseau. Voilà. 1,99€ aussi. Voilà. Trop mignon, j'ai les trouvé. Et dans une autre collection, alors j'aurais bien voulu trouver le papillon et l'autre fleur. Mais j'ai déjà trouvé celle-là. Elle est trop belle. Colorisée, ça donne ça. C'est toujours 1,99€. Ça, c'est l'essentiel rose. Voilà. Hop. Et hop. Il y avait un autre tampon, mais j'étais pas fan. Et puis peut-être que je prendrai une prochaine fois. Mais... En fait, là, j'ai fait le stop parce que je me dis. Je sais pas ce qu'on va devenir, donc je fais mes réserves en fait. Ensuite, toujours de chez Studio Light, j'ai trouvé des paper pads comme ça. Alors là, c'est 36 feuilles, ils font 14,8 x 21 cm, donc du A5. C'est du 170 grammes, donc je vais vous le feuilleter comme ça. Voilà. Il est magnifique, hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est un nouvel arrivage au Studio Live pour nous. Il n'y avait pas grand chose, mais ce qu'il y avait, c'était pas mal. Il y avait d'autres choses, mais je ne vais pas craquer pour tout parce que le budget. Il n'est pas extensible. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Hein. C'est fait esprit bois, un peu floral, avec des petites abeilles. Ah, ça, j'adore. Une espèce de porte comme ça. Donc, ça, je pense faire des mini avec ça. Bah des albums quoi. Donc 1,99€ le bloc de 36 feuilles. Ensuite j'ai trouvé d'autres blocs. C'est des paper pads, mais là il y a 3 éléments sheet, 170 grammes, toujours la même chose. Il y a 9 motifs à chaque fois. Là il y avait 36 feuilles et 12 motifs. Et là il y a 9 motifs. Voilà, 1,99€. Donc c'est ce bloc-ci. Voilà, il est magnifique. Alors lui il est vraiment magnifique. Donc 3 fois la même feuille. Je vais pas vous la faire voir, cette feuille là. Bon, ouais, c'est à découper en fait par contre. C'est pas prédécoupé donc. Et c'est pas un stickers non plus. Ces feuilles là, j'adore. Vraiment j'adore. Ça. Celle-ci. Celle-ci, je sais plus combien vous en avez à chaque fois, je vais compter. 3 à chaque fois, 3 ou 4, ouais, 3 ou 4. Cette feuille-ci, cette feuille-là, dans les roses noires, j'aime bien, je trouve qu'il fait très vintage, très années 60, non je sais pas, j'adore la porte comme ça aussi, j'adore. Franchement, je le trouve trop beau ce bloc. Les petites cerises. Voilà, on a fini. Donc celui-ci, coup, je vous refais voir le modèle. Voilà, celui-ci. Celui-ci en noir et blanc. Noir-blanc, ouais. Donc pareil, je vous fais voir hop, là, ce que ça donne. Hop. Hop, 3 à chaque fois, c'est ça. C'est comme des die-cut, mais il faut les couper soi-même. Hein. Petite carte comme ça. Je vous ai fait voir à l'envers, mais c'est pas très grave en soi. Papier comme ça. Toc, toc, toc. Papier comme ça, j'adore. Je pense que je vais faire des mini-albums avec ça. Des albums ou des mini, je sais pas. Oh, je pense que c'est bon, vous voyez bien. Et voilà. Et voilà. Dans les noirs et blancs. J'ai trouvé un peu plus dans le ton shabby, on va dire. Ouais, shabby vintage, je sais pas trop. Voilà. Shabby, je dirais. Très joli. Mais vintage aussi. La petite robe là, elle est vraiment magnifique. Voilà.
Je vous fais voir allonger, mais c'est les portes. Hein. Voilà. Oui, la luminosité, c'est pas tip top. Mais bon, dans cette pièce-là, je vous dis. J'ai beau allumer, je suis à fond là, hein, dans ma lumière. Mais ouais, c'est pas tip top. Et celui-ci. J'adore. Je le trouve joli celui-là aussi. Un peu plus jardinage, un peu plus. Voilà, j'ai craqué. Alors, oui, il y a des cartes, je les ai fait voir. C'est jaune. Pardon. Tout vient de tomber comme d'habitude. Vous savez, vous connaissez celui-ci. Celui-ci. Non, mais ils sont vraiment beaux ces blocs. 1,99 chaque. Hein. Je ne le redis pas, mais c'est le même prix à chaque fois. J'adore. Faire un petit album un peu comme ça. Attendez, alors là. Elle est à l'envers celle-là. Elle n'est pas à l'envers, mais elle est à l'envers pour vous. Voilà, celle-là, j'adore. Les petits citrouilles, c'est trop mignon. Petit citron et le mur jaune. J'adore. Franchement, j'adore. Ce que j'ai pris, j'adore. Donc, on a presque fini. Hein. On a presque fini. Hop. Alors, j'ai trouvé ce bloc-ci, un bloc prédécoupé, donc qui peut faire toutes ces cartes-là, donc je vous le feuillette. Hop. Attendez, je voulais peut-être feuilleter un peu vite, là. Voilà, hop, avec les dauphins. Après, je suis pas très dauphin, mais je trouve pour faire un mini-album, ça, c'est du top. Ils font. Moi, je vais pas en faire des cartes, je vais en faire un mini-album. J'avais déjà d'autres trucs de cette collection-là. C'est peut-être pas la même, c'est le Ocean View. Voilà, c'est 1,99 aussi. Je vous ferai voir sur les autres. Voilà. Les blocs prédécoupés comme ça. Hop là. Voilà. Et voilà. Je vous l'ai fait voir plus vite, ça. Le Industrial 3.0. Donc voilà. Là, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes. Oui, c'est ça. J'ai un lit. C'est des die cuts prédécoupés. Donc ça, je vais vous faire voir vite fait aussi. Hop, hop, voilà, hop, hop, voilà, vous voyez bien toute la page. Là, c'est plus sur le thème industriel, donc avec la guitare, c'est pas mal ça. Des mini-albums sympas. Donc là, c'est plus, on va dire, homme, mais. Non, vintage, je dirais. Industriel vintage. Mais homme, ouais, plus quand même. J'ai bien aimé quand même. Voilà. Avec l'avion, ça, je trouve ça trop mignon. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est l'industrial. Et j'en ai pris un autre, ça s'appelle le Denim Storage. Pareil, 12 cartes. Toujours 1,99. Tout était 1,99 au moins. C'est pas foulé. Avec, ah c'est trop beau, j'avais pas vu qu'il y avait un pan. Je redécouvre les trucs avec vous. Voilà, vous voyez, pour faire des albums ou des cartes ou je sais pas trop, on verra bien. Là ça me vient. 1,99 ça va. Ça, il faut savoir que sur le commerce, dans le commerce, j'ai regardé sur Craftelier ou je sais plus sur quel site j'ai regardé, ça vaut très cher. Donc 1,99 à nos, comment s'en priver. Voilà. Et on a fini bientôt. On a juste deux petites choses. J'ai pris des canevas comme ça deux fois. Donc ça c'est 79 centimes. Je ne les avais pas pris la dernière fois. C'est le Rainbow Design Miranda Van Der Botch. Toujours de Studio Live Cat Girl. Et voilà, au noir comme ça, des canevas. Voilà. Donc c'est tout pour nos. Ah non, j'ai oublié le bouquin. De scrapbooking. Donc c'est de Scrap Attitude, mini album en scrapbooking inspiration technique Soraya Maïs, créa passion 2,99 au lieu de 15,90. J'ai trouvé ce bouquin là, tout pour créer un album de scrap. Donc il y a les remerciements. Il nous explique vraiment tout quoi. Les techniques et tout, avec la fuse, comment on fait, ce qu'on peut faire, des photos instantanées. C'est pour les mini albums je crois plutôt. Raconter son histoire. Voilà, j'essaie de vous faire voir un petit peu l'univers du reportage.
Moi, j'ai bien aimé qu'ils expliquent, quoi. Ils expliquent vraiment tout, quoi. Les étapes et tout, et c'est assez facile, donc j'aime bien. Voilà, pour coloriser des titres, des univers pétillants. Franchement, il est vraiment beau. Et hop. La vie est belle. Ils expliquent toutes les techniques. Donc ça, c'est cool, je trouve. J'ai craqué pour ce bouquin-là de 99, ça va. Plus de 15,90, je l'aurais jamais payé 15,90. Faut dire ce qu'il est. Voilà. Voilà, un bouquin comme ça. Comme ça, de scrap, de créapassion.com. Il y avait d'autres bouquins sur les miniatures, la FIMO, tout ça, mais les gourmandises FIMO, moi c'est pas mon truc, mais par contre, le scrapbooking, voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.